La difficulté ou le risque, c'est justement de se croire intouchable. Je suis pas intouchable. Personne n'est au-dessus d'une équipe, personne n'est au-dessus d'un club. On peut donner le maximum et ne pas l'être. Mais à partir du moment où on donne le maximum, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé pour être bon. Je revois encore mon arrivée, je revois mon premier match, j'ai l'impression que c'était hier. Il est enroulé ! C'est un arrêt de grande, grande classe là, qui vient de sortir. On sent à trois verres quand même, alors tombé. Oh l'arrêt, ouh. Quel arrêt il fait, ouais, ouais. Chaque match, à chaque entraînement, tous les jours, c'est une remise en question et c'est ce qui me permet d'avancer. On rentre sur le terrain, premier quart d'heure, les gars, le match il est pour nous. On leur laisse rien. On en Ligue 1, c'est l'OM, on va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Et faut être prêt pour le faire, les gars. Faut être prêt parce que eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Eux en face, ils vont nous rentrer dedans. Donc nous, on doit être prêts. Hein. Prêt à réagir. Prêt. Peut-être que je réalise pas totalement parce que je suis encore en activité, je suis encore à fond dedans. Mais c'est une grande fierté de pouvoir porter ce record aujourd'hui. Avec l'Olympique de Marseille, ça reste quelque chose de particulier. J'ai eu la chance d'en gagner, je vois à chaque fois qu'est-ce que ça apporte aux supporters et j'ai encore cette envie de gagner des compétitions et de gagner des titres pour l'Olympique de Marseille. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de l'OM, justo aquí.